Culture Fish numéro... Alors là, j'étais très enfant, j'étais tout petit, j'avais assisté à ça. Il y avait un marchand d'articles de pêche, il était plus que marchand, il était constructeur de matériel, quoi. Il créait ses propres cannes. Il était dans le bout de l'île de la Cité, il s'appelait Louis Perrault. Et il avait inventé une canne, enfin inventé, amélioré une canne. Il l'entourait d'un fil très solide, un fil de lin, qui vernissait ensuite, et il appelait ça le spiroligator. Bienvenue en Irlande pour un Culture Fish spécial, c'est le numéro... Je suis en train de gagner ma croûte, car comme vous pouvez ne pas vous en douter, Culture Fish, ça ne paye pas, donc il faut payer le loyer, d'où le fait que je sois là. Nous sommes à la Mecque du Pike, là où il suffit de lancer un porte-clé dans l'eau pour prendre un poisson d'un mètre vingt, ou du moins c'est ce que nous avait dit l'office de tourisme irlandais. Je suis en compagnie de pour un film pour dont le sujet est, vous vous en doutez, les quenelles irlandaises. Ce Culture Fish sera spécial, je vous le dis tout de suite, il sera plus court, moins punchy, moins déconnant que d'habitude. La preuve, j'étais obligé de licencier pour raisons économiques mon alter ego et ma muse Jérôme Palodou. Il me coûte trop cher en bonbons. On avait eu l'idée folle de faire un programme un peu différent qui sort de l'ordinaire. Bon, a priori, Culture Fish sort trop de l'ordinaire, ou soit ils ne se reconnaissent pas dans notre travail. Donc je ne tiens pas à remercier les marques. Au cas où, c'est... si vous vouliez lire sur les lèvres. Voilà, j'aurais cru qu'ils nous auraient suivis, ils ne nous suivent pas. Nous n'avons plus un rond pour aller tourner, donc ami internaute, envoie-nous tes rushs. Bonjour. Bonjour. Ouah, ce coup-ci, il a les trois d'un coup et tout. Il est trop fort, ça. Deux semaines de stage chez... ça y est, hein. Maîtrise d'épilation. Tu en as marre de payer des fortunes dans la presse halieutique, la presse qui sert juste à caler des armoires normandes et à s'exciter dans les toilettes. Ami annonceur, si tu veux un support nouveau, un support novateur, un support qui ne se prend pas au sérieux, Culture Fish est là pour ça. Je vais passer parmi vous, si vous avez une ou deux piécettes, un ticket restaurant, un leurre soupe ou même une canne à me prêter, je les prêterai à mes autres pêcheurs qui pêcheront avec vos produits, on n'en dira pas du mal, ou du moins on en dira autant de mal que la presse halieutique, c'est-à-dire que du bien, hein. Ne soyons pas fous, ne soyons pas dupes, on est là aussi pour vous servir la soupe. Il avait un ponton sur la Seine, devant sa boutique, et il faisait des démonstrations de résistance de canne spiroligator. Alors il y avait deux types très costauds, avec un harnais, il les accrochait au bout du harnais, et les types nageaient. Et lui, il avait sa canne spiroligator devant le ventre, et il ramenait les deux nageurs sous les applaudissements du public. Culture Fish est 350 000 vues, voire même un petit peu plus, parce que je suis en Irlande et je n'ai pas le nez collé sur les statistiques. Mais en tout cas, c'est quelques centaines de milliers de visionnages cumulés sur toutes les plateformes de vidéos. Donc cela devrait pas te laisser insensible, ami annonceur. Voilà, si tu as de l'argent à jeter par la fenêtre, ou du moins à jeter dans Internet, nous sommes là. Et on en a bien besoin quand on n'a plus les moyens d'aller tourner. On
attend les quenelles, on a sorti la sauce pour aller avec, hein, car on est venu en Irlande, donc c'est pas nos brochets, donc on va les buter. Hein, faut pas, voilà, il n'y a pas de raison qu'on rentabilise pas le voyage. Donc là, on est venu pour tuer du brochet d'1,50 m. On n'a pas vu de brochet d'1,50 m, on en a tué des plus petits, on les a mangés, ils étaient bons, de même que les truites, la truite irlandaise très bonne sur arrosée d'une tente de les irlandaises aussi très bonnes, trop arrosées. Bel orage, en attendant, on bouffe de la merde d'élan. C'est Culture Fish en Irlande. J'en peux plus. Je vais rentrer à la maison. C'est bon, on lui mettrait un bas dans la tête, hein, si tu veux. T'as fait les photos qu'il faut ? Ouais, c'est bon. Vas-y, c'est moi qui m'occupe de ça maintenant. Je crois que tu vas avoir des problèmes avec WWF. Hein. C'est Phil qui va avoir des problèmes avec moi. Allez. I'm happy to be back again to greet you on the shore. Sure, there's no places are there just like the homes of Donegal. I long to see your happy face. Lourdes Monde. Oh, dat is een mooie, hè? Yes. J'en peux plus, rapatriez-moi. C'est insupportable. Ils n'arrêtent pas de boire. Un mot à dire pour Culture Fish numéro 15 en Irlande. Ça va faire mal de les perdre dans les bougies brochées. Là, il y a combien d'heures de boulot là ? Enfin, c'est des heures là. 2-3 heures. Ouais. Culture Fish numéro 15, toujours en Irlande. Les carottes et les quenelles sont cuites. Merci à vous. Partagez Culture Fish, spammez Culture Fish. Écrivez à la Fédération Française de Pêche en leur disant « Ouais, c'est vachement bien comme programme, faudrait les aider. » L'adresse est juste là. Pourrissez leur boîte mail. Voilà. Oh, c'est joli. Voilà, c'est l'Irlande. Les moutons, les vaches, les corbeaux, les mouettes, les pubs. Balade irlandaise va se terminer comme elle a commencé, sur un capot. Non, il y aura peut-être de belles surprises. En tout cas, je peux pas vous le dire, mais bon, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup bu. On a rencontré des gens sympathiques, c'est sympa l'Irlande. C'est. Viens des. Une grosse tabasse, je t'en foutrais des tabasses, il voit des tabasses partout, attends, s'il avait vu tout, il doit... Je vois des livres quand même. Il doit être un petit peu mytho, le garçon. Allez, on y va. Allez, hop, le ferry nous attend. C'était Culture Fish numéro 15. En direct de l'Irlande, l'autre pays des moutons. Je crois qu'ils nous prennent bien pour des moutons, quand même, au syndicat d'initiative.
l'office de tourisme irlandais, quelle bande d'escrocs.